Bon, là, on tourne? Ouais. Bon, ok, on tourne. De mon vécu en Algérie, où là, dans les années 90, on a vécu des événements suffisamment graves qui ont placé la nécessité pour nous, peuple algérien, bien de se poser des véritables questions sur la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux, parce que il y avait un parti politique qui s'appelle le Front islamique du salut qui voulait faire de l'Algérie, ni plus ni moins, un État islamique. Personne n'avait imaginé qu'un jour, on serait mis face à ce choix, disons, de changement de la nature même de l'État. La spécificité de ce groupe islamiste, de ce parti politique, c'est qu'il détenait aussi tout un arsenal militaire, donc des armées. Donc il y avait évidemment une tête politique, mais il y avait aussi des armées qui étaient à son service et qui a utilisé la violence pour faire taire des individus qui prônaient la liberté, l'amour, la tendresse, la modernité. Les femmes étaient évidemment ciblées. D'abord parce qu'elles étaient femmes, les intellectuels, les journalistes, les policiers. Bref, il y a eu une saignée effroyable qui a été exercée à l'encontre de cette humanité à ce moment-là. Les choses, évidemment, se sont corsées pour ma famille. Nous avons dû quitter l'Algérie en 1994. Et là, je pensais sincèrement que cette histoire allait rester loin derrière moi. Or, je me suis rendu compte, dès mon arrivée en France, en 1994, que des questions semblables, évidemment à des degrés différents, se posaient aussi à la France. J'avais envie véritablement d'acquérir des outils pour pouvoir expliquer l'expérience que nous avions vécue en Algérie, parce que je savais que c'était une expérience hyper importante,
intéressante, que le monde devait comprendre ce qui s'était passé en Algérie pour ne pas refaire les erreurs qui avaient été commises là-bas. Donc, brièvement, si vous voulez, mon vécu en Algérie, en France, au Québec, m'a permis de voir et de comprendre en quoi la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux est quelque chose de fondamental dans une démocratie, la place des femmes, évidemment centrale aussi à plusieurs égards. Et c'est, le cheval de bataille, c'est-à-dire la laïcité, qui prend racine dans un héritage qui est ancien, qui nous vient des Lumières, qui m'a nourri et qui me nourrit depuis longtemps déjà. Moi, ce que je veux voir, c'est qu'est-ce qui peut m'aider aujourd'hui, moi, femme de mon époque, qui réfléchit sur la question du dogmatisme religieux, de l'islam politique en particulier, qu'est-ce qui peut m'aider à comprendre ce phénomène. Les Lumières encore me disent, et aujourd'hui je l'entends, Voltaire me parle tous les jours, et il me dit, tu es une femme libre, tu as le droit de dire. Et donc, par conséquent, il me conforte. Je dis, je parle. Commençons d'abord par l'individu. Que nous disent les Lumières par rapport à l'individu? Tout simplement que l'individu peut penser de par lui-même. Parce que, à l'époque, ce n'était pas du tout évident. Rappelons-nous de cette époque, c'est l'époque des préjugés, c'est l'époque des superstitions, c'est l'époque du dogmatisme religieux et politiquement, c'est l'époque de l'absolutisme. Ce que nous disent les Lumières, c'est tout simplement que l'homme a une raison et qu'il va falloir placer cette raison au centre de la cité pour organiser les affaires de la cité. Donc du coup, ça devient intéressant parce que c'est la fin des privilèges. Et qui dit fin des privilèges dit que le peuple devient un acteur politique majeur. C'est une révolution, mais pas seulement intellectuelle, c'est une révolution dans tous les sens du terme. Donc ce qu'ils nous ont apporté à ce moment-là est tout à fait inimaginable. Donc, si vous voulez, pour évaluer l'héritage des Lumières, il faut se placer dans le contexte de l'époque, dans le contexte des Lumières. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'analyse les Lumières à travers cette époque, à travers l'histoire. Donc je me place au XVIIIe siècle, je me dis qu'est-ce qu'on avait, comment est-ce qu'on vivait et où on en est rendu. Donc pour ma part, par exemple, remettre le peuple au centre de la cité, lui donner la possibilité de s'exprimer, venir dire à l'homme qu'il va gagner sa place dans la cité grâce à l'éducation, grâce à la culture, pour moi c'est énorme. Rappelons-nous aussi toute la liberté de ton qu'il y avait, la liberté d'expression. Ce manifeste de Voltaire pour la tolérance, les grands discours de Condorcet pour la culture, Diderot avec son amour des sciences et des connaissances et surtout sa volonté de transmettre aux couches populaires qu'est-ce l'expérience des encyclopédies, sinon cet entêtement à vouloir élever le maximum de gens possible à la connaissance et à la culture. Donc voilà ce qu'ils nous ont apporté. Et moi, c'est ce que je prends. Je prends les bons côtés. Je vois les bons côtés, je prends les bons côtés, je me dis comment est-ce que ces côtés-là peuvent me servir dans ma vie de tous les jours. Bizarrement, j'ai découvert les Lumières lorsque je vivais en Algérie, donc dans les années 90, je croyais revivre cette époque du XVIIIe siècle. Eh bien, en 1990, alors que j'étais une jeune femme et qu'on voulait
littéralement me mettre un voile dans tous les sens du terme. Donc, voiler les sciences, voiler la connaissance, voiler la vie, voiler l'amour, voiler la femme, bref, mettre un voile. Et donc, c'est pour moi les Lumières, c'est vraiment cette chape de plomb qui éclate. En fait, il faut bien comprendre que moi, même si j'adore les Lumières, je ne suis pas du tout une nostalgique de l'ancien temps. Ce que nous amènent les Lumières, c'est cette notion de progrès. Donc les sociétés doivent progresser. Nous ne devons pas sacraliser le passé, nous ne devons pas sacraliser la tradition. Par ailleurs, l'époque d'aujourd'hui, elle crée le besoin. Elle crée des besoins qui sont totalement superficiels. Elle crée des besoins matériels qui sont superficiels. Et les Lumières ne sont pas dans ce champ, ne sont pas dans ce domaine, ne sont pas dans cette optique. Les Lumières sont dans le domaine intellectuel. Donc ils viennent nous dire, ils viennent nous élever, ils viennent nous enrichir, ils viennent nous dire qu'il y a des trésors qui existent dans les livres, dans la culture, dans la connaissance, dans l'éducation. Et ça, évidemment, ça sonne faux. Avec notre époque qui est habituée à aller rapidement, à courir, à aller vite, rapidement, à avoir des opinions sur tout, des opinions surfaites sur tout. Donc, les anomalies, si vous voulez, de notre époque, c'est le fait de créer des besoins qui n'ont aucun sens. Et on est pris dans un espèce de cercle vicieux où là, le besoin, finalement, n'est jamais satisfait. Donc, il est momentanément calmé et cette accalmie nous permet à la rigueur de vivoter. Et finalement, on ne vit plus. Parce que vivre, c'est d'abord et avant tout se poser des questions sur son existence. Vivre, c'est être en relation avec l'autre. Vivre, c'est pouvoir construire un projet de société avec les autres. Or, notre époque aujourd'hui est de plus en plus fragmentée. Les individus, eh bien, ne sont pas interreliés les uns aux autres. On pense naïvement qu'on l'on va réussir personnellement, individuellement. Alors bon, certes, je veux dire, la réussite individuelle, elle peut nous ramener quelques petites jouissances et même réjouissances. Mais ce qui fait progresser la société, ce sont les réussites collectives. Le paradis n'était pas pour nous. Nous avons choisi le sperme fou. Le suicide des autres devrait être la première de nos larmes. La liberté, c'est de vouloir du bien à ton peuple et à celle qui fait le ménage chez toi. La liberté a toutes ses ailes et elle ne s'est jamais envolée. Je pense juste, par exemple, à l'espèce de culture judéo-chrétienne. T'sais. Au-delà de toutes les critiques qu'on a pu faire de ça, de la mainmise de l'Église et tout ça, il y avait quand même une culture avec des valeurs. T'sais. Moi, nous autres, quand on était jeunes, on a appris qu'il ne faut pas mentir, faut pas être gourmand, faut pas voler. Alors qu'aujourd'hui, tu dis, dans toutes les émissions, ils font des émissions sur l'huile d'olive extra vierge à 45$ la bouteille, les sushis, puis c'est juste sur la bouffe, puis comment faut manger, puis bien manger, puis voler, c'est plus, ça dérange plus personne, puis tricher, puis mentir, c'est comme... Donc, il y a un monde qui a disparu. J'étais étudiant en théologie, donc j'avais peut-être une vingtaine d'années, là, dans la vingtaine.
Puis qu'est-ce qui t'a poussé à aller assister à cette messe? Ben, c'était l'inconnu. Écoute, c'était quelque chose de spécial. Écoute, tout le monde y allait, puis ça avait lieu à l'Oratoire Saint-Joseph. Puis c'était du rock. Alors, Offenbach. In meam commemorationem. Quelque chose, écoute, tu voyais l'encens qui montait avec l'odeur de pot. Aïe aïe. On savait plus lequel était lequel. Lequel était l'encens, lequel était le pot. Ça se ressemble en termes d'odeur, ça, un tout petit peu, là. Puis il y avait du, c'était en latin, du grégorien en plus, puis il y avait un vrai prêtre qui était là qui disait une messe, hein. Et tuam resurrectionem confitemus, donec denias. C'est un gros trip. Okay. Un trip spirituel, puis un trip. Un trip. Okay. Alors, puis c'est le début de la Révolution tranquille en même temps. Hein? Ça nous a, moi, ça m'a vraiment marqué. Mais pas de suite tellement après, en pleine messe, Offenbach. C'était quelque chose. Et on voyait les rayons de lumière là, du groupe Offenbach qui éclairait un peu partout, qui était en mouvement. Puis en même temps, on voyait la fumée qui montait à travers les rayons de lumière. Pour moi, quelqu'un qui n'avait même pas pris du pot tripait déjà, mais juste à voir ça, là, sur le plan visuel, c'était incroyable. C'était beau. Ça nous aide. Puis l'oratoire, écoute, elle a un toit qui est très, très, très élevé. Alors, tu voyais la fumée qui montait, puis ça n'essayait pas de monter avec les rayons. Ça contribuait à vivre un sentiment d'élévation, évidemment. Dans tous les sens, il y avait le sens de louer avec le type de musique qui venait nous chercher. Puis l'odorat, l'encens, elle rejoignait l'odorat, évidemment. La communion par la bouche, manger, hein? La parole que tu entendais. Puis le latin, bien, nous transportait dans un autre état aussi. C'était mystérieux. Ouais. Ah oui, c'était l'expérience du mystère puis du transcendant. Il y avait énormément de communion entre les gens, ouais, écoute. Ça applaudissait souvent, ouais. En plus. Non, ceux qui allaient là, c'était des tripeux en même temps, je pense, qui voulaient concilier le spirituel avec le pot. J'ai toujours été inséré dans la modernité, moi. Écoute, ça fait partie de mon monde. Même si je suis prêtre, là, il y a une partie en moi qui est mondaine. C'est évident, je vis dans le monde. Ça veut dire quoi pour toi, vivre dans le monde, concrètement, en étant prêtre? Bien, c'est de vivre la vraie réalité, les vraies affaires, avec ce que les gens vivent de vrai. Je vis les mêmes affaires, moi aussi, là. Quand je travaille, je dois subvenir à ma vie en même temps. Puis je rencontre le monde qui sont dans les vraies affaires en même temps. Puis moi, je suis là-dedans aussi, dans le même monde. C'est le monde du Québec, avec tout ce qu'il traverse présentement. Dans ces états de crise, dans ces étapes de quête de sens, alors je ne peux pas me détacher du peuple dont je fais partie. J'en suis partie prenante. Je ne suis pas un ange, je suis un être humain, un Québécois. Voilà. Moi, je ne pense pas que l'Église ait renoncé à, disons, à prendre sa place, mais c'est la société elle-même qui, progressivement, s'est éloigné d'elle à un moment donné, pour toutes sortes de raisons, évidemment. Puis avec l'ère du matérialisme aussi, où la matière est extrêmement importante, puis avec la sécularisation, c'est des grands mots là, qui veulent dire quoi? C'est que le monde évolue, puis l'Église semble se retirer de plus en plus du décor de la société québécoise. Elle est toujours là quand même, mais elle se retire visiblement. Ça donne place à une nouvelle manière de concevoir le rôle du prêtre. Puis actuellement, moi je peux dire, c'est même ce rôle qui est apporté même par le pape François à l'heure actuelle, qui veut réformer l'Église, la dépouiller de tout ce prestige qui peut être vu comme une nuisance plus que quelque chose qui peut aider. Elle voit le prêtre comme étant d'abord celui qui est au service d'une communauté croyante. C'est un serviteur. Il n'est pas au-dessus du monde. Il est à côté, il peut être devant,
pour la guider ou derrière pour qu'elle puisse marcher devant lui. Je ne me suis pas fait arrêter, c'est le fun. Un gars rebelle comme moi, là. OK. Toi, moi, le dimanche, je travaille. Vous autres, vous reposez. Mais non, on travaille. Mais la semaine, je travaille pas. Non, c'est pas vrai. Alors, on va prendre notre feuille d'ordre du jour. Le mot de bienvenue est terminé. Alors, est-ce que vous seriez d'accord qu'on aborde immédiatement le point qui concerne la fumée, que ce soit la cigarette ou le pot, toute fumée dans l'édifice qui est interdite? La position claire, tu vois, c'est la convention. On va y arriver. Mais là, c'est sur le sujet. Voulez-vous qu'on l'aborde dès maintenant? On peut. Levez la main, ceux qui veulent. Ouais. Bon, c'est le quorum. Merci beaucoup. Le but, c'est pas de jouer au chat puis à la souris, puis de faire des enquêteurs, puis de jouer à la police. Je pense que c'est tout du bon monde qui est dans l'édifice. Mmh. Alors, on a toutes des raisons d'être tannés. Alors, pour éviter d'être tannés, on trouve ce soir une politique claire qu'on va divulguer aux locataires lorsqu'ils viendront, tout simplement. Il y a une évolution actuellement sur le rôle du prêtre au sein même de l'Église puis dans la société. Le rôle n'est plus le même. Avant, c'est vrai, il y avait un certain prestige, puis même on allait jusqu'à souhaiter qu'il y ait un enfant par famille qui soit prêtre ou médecin ou avocat, peu importe. Puis le prêtre faisait partie des grands personnages en même temps. Puis n'oublions pas non plus qu'à l'époque, toute la société était catholique au Québec. Donc, ça a favorisé une société catholique, puis en même temps le prestige de l'Église catholique, hein, qui était omniprésente. C'est elle qui avait en main là, toutes les œuvres caritatives, les œuvres sociales. C'était les religieuses, les bonnes sœurs, puis les bons frères qui mettaient ça sur pied. Puis quand les gens allaient à l'école à l'époque, ben écoutons, qui éduquait les jeunes? Les filles, c'était les religieuses, puis les gars, c'était les frères. Et oubliez pas qu'à cette époque, le prêtre au Québec portait la soutane noire. C'est une robe noire, c'est une grande robe noire. D'ailleurs, les Indiens appelaient les Jésuites au début de la colonie les robes noires. Alors ça impressionnait, puis ça faisait une distance entre les gens et le prêtre. Le prêtre n'était presque plus du monde. Je ne dis pas qu'il n'était pas du monde, dans le sens qu'il n'est pas quelqu'un d'important, là, mais il venait comme d'un autre lieu, il représentait une réalité tout autre. Puis il est symbolisé par la soutane noire. Il n'était plus un homme, il était un prêtre. Hein? Alors la soutane est tombée au Québec depuis le Concile Vatican II, depuis les années 70, 65, 70. Et voilà. Aïe, aïe. Je commence à engraisser, je pense. C'est une bonne chose. Oh! Ça, c'est pas un cadeau, mettre ça. Aïe, aïe. Oh! OK. Là, je suis un vrai prêtre. Hein? Mais je trouve ça important. Alors, j'y vais. Le concile qu'on appelle Vatican II, ça a été le grand rassemblement mondial de tous les évêques catholiques du monde qui voulaient se moderniser et s'adapter à la nouvelle société qui était déjà en marche à cette époque-là, dans les années 60. Je dirais que ça consistait en une grande ouverture sur les autres religions, et non pas à prendre des distances, puis à s'accuser mutuellement. Alors c'était vraiment une grande étape d'ouverture mondiale sur toutes les religions, même les incroyants, les croyants, les religions catholiques, protestantes, anglicanes, etc. Il y a tellement de catégories religieuses ou spirituelles qui ont émergé de notre nouveau contexte politique et culturel que je pense que l'Église doit subir un bon coup d'humilité qui va lui faire énormément de bien. Elle va réaliser qu'elle est un partenaire comme parmi tant d'autres. Puis le dialogue sera beaucoup plus aisé et facile. Alors, moi, je pense que l'Église a réalisé qu'elle était plutôt servante du monde et non pas dominatrice du monde. Avant, on disait qu'on se cachait pour ne pas aller à la messe. Maintenant, on se cache pour y aller. C'est intéressant. Le précepte de la messe du dimanche était une obligation. On n'y allait pas, c'était un péché. Péché mortel, même, on allait encore plus loin. Maintenant, on ne pense plus en termes de péché ou pas. Là. Quand les gens viennent, je les trouve courageux, puis ils sont eux-mêmes. Ils viennent par décision personnelle, non pas pour suivre un mouvement social. Alors, moi, j'aime mieux l'époque d'aujourd'hui où les gens viennent. Ils viennent peut-être moins nombreux au Québec, mais au moins, ils viennent d'eux-mêmes. Et non pas à cause d'une loi quelconque ou d'un commandement social. Alors, moi, j'y trouve super. Puis ils sont en quête de sens.
Puis quand ils viennent, ben ils ne viennent pas pour rien, ils viennent ici pour se nourrir. Ils vont là pour se nourrir. Je vais parler d'une expérience que j'ai vécue récemment avec des jeunes adultes du quartier d'Hochelaga-Maisonneuve qui ont demandé la confirmation, le sacrement de la confirmation, parce qu'ils voulaient se marier ou être parrain et marraine à un baptême. Alors, il y en a eu 17, entre 17 ans et, je ne sais pas, moi, 40 ans, là, qui étaient autour de la table. Puis j'ai fait un tour de table la première soirée. Je leur ai demandé « qu'est-ce qui vous amène ici? » D'abord, c'était d'être parrain-marraine, évidemment, pour eux, c'est important, ou de se marier. Mais au-delà de ça, il y a la question de fond. Je ne connais rien de l'Église, je ne connais rien de ma foi, ou j'en connais si peu. Je veux apprendre des choses, tu sais. Alors, il y a une soif de savoir. Je me rappelle d'une anecdote aussi, il y avait une croix sur un mur, puis un jeune qui regardait la croix, un jeune, écoutez, c'est un jeune de 12-13 ans, il dit « c'est qui le gars qui sait la croix? » Je lui dis, es-tu sérieux? Il dit, c'est qui le gars qui est là? Il dit, qu'est-ce qu'il a fait pour être là? Je lui dis, écoute, c'est Jésus. Oh ouais, pourquoi qu'il est là? Là, il avait soif d'apprendre, mais qu'est-ce qu'il... T'sais? C'est assez spécial comme question, là, surtout au Québec. Si on était en Amazonie, là, je comprendrais. Hein, quel gars, c'est pas c'est qui le gars qui est à quoi? Mais là, au Québec, t'sais? Franchement, ça m'a fait rire en même temps. Mais ils viennent avec des questions de fond. Qu'est-ce que je fais sur la terre? Je viens d'où, puis je m'en vais vers où? Les grandes questions fondamentales que tout être humain se pose, en dehors de la foi, puis même dans la foi aussi. Étant donné qu'il n'y a pas de culture religieuse catholique présentement, qui est très présente, disons, dans le peuple du Québec, bien, les gens cherchent une quand même, mais vont voir ailleurs, ou ils approfondissent la leur. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir une forme de spiritualité, peu importe laquelle, que de ne pas en avoir du tout. Ça me paraît tout à fait logique. Parce qu'on a besoin fondamentalement de spiritualité. On est tout en quête de sens. On cherche à comprendre le but de la vie, d'où on vient, puis qui on est. Et ça, ben, la psychologie ne peut pas répondre à ça. La biologie ne peut pas répondre à ça. Qu'est-ce qui répond à ça? C'est la spiritualité. C'est cette quête de sens qui habite dans le cœur de toute personne humaine. On cherche tous le vrai. Toute la question de la vérité. C'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui est vrai? Un coup qu'on a cerné quelque chose de la vérité, on le dit. J'ai trouvé ça, je ne recommencerai pas ma quête de sens encore une fois dans un an puis dans deux ans. Je suis rendu là, là. On est baigné dans une société comme celle-là actuellement, là. C'est le look, c'est le matérialisme, c'est la superficialité. C'est toujours des débats, puis des débats, puis des débats sur n'importe quoi. Puis on n'arrive jamais à solutionner de façon satisfaisante une question de fond. On y revient toujours à tous les 2-3 ans, même au niveau politique. On prend des décisions, puis au bout de 4-5 ans, il y a un nouveau gouvernement, on défait ce qu'on a fait avant. C'est le provisoire. J'appelle ça, moi, le culte du provisoire. Ça va pas loin avec ça, là. Vous y êtes, vous autres aussi, puis moi, je le suis comme prêtre. Envoyez. Ici. On part. N'oublions pas que les premiers qui sont arrivés au Québec, c'était des catholiques de France. Hein? On peut les nommer les Jeanne Mance, les Champlain, les Jacques Cartier. Ils ont planté des croix en arrivant. Je ne verrais pas qu'on efface ces noms-là. Les effacer, c'est renier nos racines. D'où on vient? Bon, alors moi je m'en vais dans l'église tranquillement parce qu'on commence dans 6-7 minutes. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Maintenant, c'est sûr qu'on peut tourner le dos à nos racines, mais on ne peut pas les évacuer, évidemment. Elles nous ont forgés, elles nous ont façonnés, elles nous ont entourés, elles nous ont... Elles étaient présentes partout, elles le sont encore, évidemment. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » On se souvient lorsqu'on a enlevé le crucifix à l'Assemblée nationale. Et j'étais d'accord. J'étais d'accord parce que sinon on impose un crucifix à quelqu'un qui est d'une autre religion.
parce que le contexte n'est plus le même qu'avant. Avant, tout le monde était catholique. Presque tout le monde. La question ne se posait pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? On va le mettre peut-être dans une autre salle. Là. Mais on ne peut pas le cacher. Il faut quand même le montrer publiquement parce que c'est quand même un objet culturel là, qui exprime en même temps nos racines profondes du catholicisme qui est à l'origine de la fondation du Québec et du Canada. Ne l'oublions pas. Là. Ça fait partie de l'histoire. La laïcité, il fallait en arriver là, évidemment. Mais laïcité, ça ne veut pas dire athéisme. Ça ne veut pas dire agnosticisme. Ça veut dire le respect de toutes les religions puis leur permettre de s'exprimer librement sans que le côté politique puisse opter pour une ou l'autre à laquelle ils pourraient s'identifier. Non. Je pense qu'il y a une neutralité de l'État pour qu'on puisse infiniment là, respecter la pluralité religieuse et spirituelle de notre société. L'État n'a pas à être catholique, protestante ou agnostique ou athée. Elle est là au service de la population dans le respect des différentes sources religieuses et spirituelles. Je pense que c'est ça. Si je crois que je suis là, il y a une raison d'être. Puis je veux approfondir vraiment la raison d'être là. J'arrive pas comme ça par hasard, parachuté. Je ne sais de quoi ou de qui, mais je pense que la question de fond, c'est une question de spiritualité, rien d'autre. Jésus était pleinement homme avec le monde. Il mangeait puis il buvait avec eux autres. Il allait sur la rue. C'était un itinérant, Jésus. Il n'avait pas de domicile fixe. Il allait partout puis annonçait une nouvelle qui pouvait apporter de l'espérance au monde. Il était d'abord homme avant d'être fils de Dieu. Moi, je veux être d'abord Simon avant d'être prêtre. Ça marche, ça fonctionne. Depuis des siècles, on dit qu'une vierge a donné une naissance miraculeuse. Le sens commun est fort rare. Vraiment? Ce croyant, qui sera d'ailleurs un bon calculateur, un savant chimiste, croira cependant que Mahomet mit la moitié de la lune dans sa main. Il fait des efforts pour croire. Il se crée dans sa tête un chaos d'idées. Et la pratique de la raison est la seule façon de libérer l'esprit de la superstition. Mais pourtant, la religion est un désir naturel. Sitôt les hommes vivent en société, il leur faut une religion qui les y maintienne. Jamais un peuple n'a pu subsister sans la poésie de la religion. Et si on la leur enlève, ils en forgeront une autre. On vit dans des sociétés qui sont fragmentées. Donc du coup, le sentiment d'appartenance et d'adhésion, il se fait à l'égard d'une nouvelle communauté de croyants. On gagne une communauté, on gagne une famille. Et donc ça vient aussi remplir un certain vide. Donc, ce qui nous maintient en vie, c'est de se dire qu'avant nous, il y avait quelque chose. Et qu'après nous, il va y avoir aussi quelque chose. Et que nous, finalement, notre mission, c'est de se demander qu'est-ce qu'on peut faire dans ce laps de temps qui est suffisamment court, qui est le nôtre, pour essayer de servir de maillon entre l'avant et l'après. Et visiblement, nos sociétés, il y a des anomalies dans nos sociétés, elles sont déstructurées, et on n'arrive pas à maintenir ces gens dans une espèce de réalité concrète, dont ils vont s'imprégner, et ça va leur donner un sens à leur vie. Il y a un rapport évident entre, je dirais, l'invasion, l'omnipotence du quantitatif, des 3% de ceci, du taux de cela, du prorata de ceci, et qui fait que nos politiques nous ont parlé jusqu'à avant-hier, comme des comptables, experts ou pas, en tout cas des comptables d'origine bruxelloise, etc. Ça crée un vide, ça. Alors, effectivement, les gens ne sont pas obsédés seulement parce que par l'utilitaire et par la consommation. Il y a des gens qui ont envie de servir, qui ont envie d'abnégation, qui ont envie de s'élever.
on est comme programmé à être performant. Et les gens oublient le présent. Ils sont toujours dans leur présent, ils sont ailleurs. Et on dit toujours revenir. Revenir à l'essentiel, c'est revenir au moment présent. Et aujourd'hui, et on le sait, plus que le monde évolue, plus qu'on demande la performance. Et pour, aujourd'hui, on a des téléphones, on a des ordinateurs, on est là. On n'a plus de temps à nous, on ne prend plus le temps. La seule vérité qu'il y a, c'est le moment présent. Et on n'est jamais dedans. Observez votre état d'esprit dans une journée, vous êtes vraiment dans le moment présent. Dans les arts, oui. Souvent, dans les arts, la personne elle est bien concentrée sur ce qu'elle fait. Alors, il y a un moment présent important. Alors, elle oublie tout, elle est libérée un peu de toutes ces pensées qui l'amènent dans des angoisses. Moi, j'aime bien une définition de l'angoisse. L'angoisse, c'est utiliser son imagination pour créer des situations qu'on ne désire pas. Alors, les gens sont rendus là en ce moment. Et quand quelqu'un dit « ça va mal », on peut le regarder, puis ça va pas mal, parce qu'en ce moment, tout va bien. Okay? Ça va mal dans leur tête, c'est sûr. Alors, l'essentiel, revenir à l'essentiel, c'est la présence qu'on a avec le corps, parce que le zazen se pratique avec le corps. Toujours sentir que l'expiration descend sous le bas-ventre. Et voilà. On observe, et c'est impossible d'arrêter de penser. Les gens qui disent qu'il faut arrêter de penser en méditation, parce qu'ils n'en ont jamais fait, c'est impossible, on pense tout le temps. Il faut juste observer et lâcher prise là-dessus. On dit laisser passer les pensées comme les nuages dans le ciel. C'est tout. Et on revient à l'essentiel, qui est le moment présent, dans le corps de matière que j'ai. Liberté. J'ai jamais été étouffé, disons, par les valeurs religieuses. Même les valeurs familiales chez moi, c'était assez vague. Les valeurs sociales aussi. Alors, j'étais comme on disait à l'époque, un libre enfant de Summerhill. C'est-à-dire qu'on me laissait découvrir par moi-même ce que j'aimais et surtout on m'encourageait à faire ce que j'aime. Et effectivement, à l'âge de 10 ans, dès ma première communion, je me souviens que je me posais des questions existentielles par rapport à qui on est vraiment. Alors, j'ai toujours eu le sentiment que ce que je suis en ce moment n'est pas ce que je suis réellement. Et un jour, comme ça, j'ai vu un film d'arts martiaux, qui est un film de Bruce Lee, bien entendu, dans les années 70. Et il y avait quelque chose qui émanait de cette énergie-là, parce que j'étais un enfant petit, très frêle, comme ça, très timide, très introverti. I mean, you gotta put the whole hip into it and snap it and get all your energy in there and make this into a weapon. I mean, here it is, the natural instinct, and here is control. You are to combine the two in harmony. The ideal is unnatural naturalness or natural unnaturalness. Yin yang, eh? Right, man, that's it. Et là, j'ai commencé le karaté. Et moi, ce qui m'intéressait dans l'art martial, c'était pas nécessairement le sport ou la mise en forme ou l'autodéfense. Je voulais aller chercher quelque chose d'autre. Et on n'était pas beaucoup qui pensaient comme ça à l'époque. Mais j'ai fait mes propres recherches. Alors, j'ai ouvert plein de livres et, bien entendu, j'ai commencé à découvrir que la source de l'art martial venait du temple Shaolin en Chine, où c'était des moines bouddhistes. J'étais très intéressé à tout ce que chaque livre qui avait le mot zen ou quoi que ce soit. Alors, quand j'allais à la bibliothèque,
j'allais dans la section spiritualité, religion, et j'ai tombé sur un livre à la bibliothèque municipale, celui-là ici, c'est intéressant parce que je l'ai encore, il s'appelait Zazen, et là j'ai eu vraiment un coup de foudre, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, ça c'est ma voie, moi je veux suivre ça, c'est simple, c'est ce que je cherche, et voilà. Le Zen dit, nous pratiquons ce que Bouddha, la posture que le Bouddha historique, Shakyamuni Bouddha, sous l'arbre de la Bodhi, quand il a atteint son illumination, alors il n'y a plus une posture. Je crois que les religions traditionnelles occidentales, on parle surtout de la chrétienté, a été mal transmise, tout simplement. Les gens n'ont pas su transmettre comme il faut le message. Les gens, je pense qu'ils l'ont ont transmis ces enseignements-là, mais du premier degré, en voyant que le premier degré de ça. Et si on regarde le premier degré, ben, on a le mal qui existe, le bien existe, le péché, l'enfer et tout ça, tout pour faire écœurer le maximum et pour se sentir contrôlé, tout simplement. Et les gens se sont retournés vers d'autres choses, et c'est bien d'ailleurs. En touchant les philosophies, les pratiques, les religions plus extrêmes orientales, ben, on va facilement mieux comprendre après nos propres courants religieux qu'on a eus en Occident. Et voilà, ça va revenir. François d'Assise, pour moi, était vraiment le plus près de ce que le Bouddha peut-être pouvait emmener et de la pratique bouddhiste. Alors c'est extraordinaire. Alors il a compris qui il était vraiment. On est tous un petit personnage, ce qu'on pense être, mais finalement, on ne s'éveille pas à ce rêve qu'on est en train de vivre. Alors s'éveiller de ce rêve-là, prendre conscience que nous vivons dans une illusion, ce qui est le Zen, ce qui est le bouddhisme, alors c'est s'éveiller de ce rêve. Alors c'est connecter à ce qu'on est vraiment. Et de voir la vie tout simplement comme une pièce de théâtre, tout simplement. Alors pour moi, François d'Assise a vraiment eu sa connexion avec tout ce qui était vivant. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'unité. C'est revenir à l'unité. François d'Assise n'avait aucune peur. Il a choisi l'amour. Je dis toujours, vous avez un des deux. Choisissez la peur ou l'amour dans tout ce que vous faites. Si vous n'avez plus de peur, il vous reste l'amour. Et si vous connectez à tout, vous êtes dans l'amour. Alors, pour moi, François d'Assise est dans la simplicité. Alors, il a connu cette connexion-là, donc aucune peur à cette époque-là de manquer quoi que ce soit, d'être malade, de mourir. Aucune peur. Il vivait le moment présent, connecté à tout ce qui était vivant. On est rendu dans mon garage. Oui, c'est beau. Parfait. Alors, ben voilà, ici, on est rendu dans mon garage qui est exactement sous mon dojo Zen. Ici, c'est mon garage, amateur de moto. J'ai déjà eu un club de moto et c'est ici qu'on se ramasse pour faire nos cafés-garages, qu'on appelle. Alors, c'est l'autre côté de ma personnalité, bien entendu, mais pour moi, c'est tout relié. Voilà, bienvenue dans mon garage. Quand on reçoit les vœux de Bodhisattva, quand on est ordonné moine zen, on demande l'ordination. Premièrement, on a un nom. On nous donne un nom. Comme moi, on m'a donné un nom, c'est Sendo Taigen. Sendo, qui est le sage de la voie. Taigen, qui veut dire la grande origine. Et on reçoit un katsumaku. Le katsumaku, c'est comme le papier officiel, comme quoi qu'on descend d'une lignée de patriarches et de maîtres zen. Et ça, c'est très japonais. Alors, vous avez le katsumaku comme ça ici.
On voit ici le Noron vide qui est bien entendu toute la période avant la Chine. Ici, on a tous les patriarches qui ont transmis le Zen. Et à la fin, on met notre nom. Je crois que c'est la 92e peut-être génération, si je ne me trompe pas. Voyez, puis là, il est signé là, au moine Sendo Taigen, voix du sage de la grande origine. À la Gendronnière, c'était donné le 20 août 1983. Le mot Dieu, effectivement, des fois, il dérange les gens. C'est normal. Je crois qu'on était étouffés par la religion tellement longtemps. Et pas juste ici au Québec, mais partout au travers le monde. Je crois que le mot Dieu est dérangeant. Maître Deschenaux, moi, mon maître zen, utilisait... C'était le premier que j'ai commencé à lire, qui utilisait Cosmos. Souvent, mais il dit appelez-le comme vous voulez. Moi, je fais juste changer le terme et souvent j'utilise l'univers. Je dis j'ai demandé à l'univers. L'univers m'a apporté ici. Si j'avais dit j'ai demandé à Dieu, tout de suite là, je tombe dans une autre catégorie. Hein? Puis pourtant, c'est juste un mot, mais pour moi, il exprime la même chose. Il n'y a pas de dôme, puis il n'y a pas de Dieu. On ne parle pas de création. Le zen est une pratique, finalement. Alors, oui, le bouddhisme, si on le regarde, oui, mais là, il faut faire attention. Il y a des cultures, des endroits où ils ont récupéré Bouddha et ils font des prières comme si c'était un dieu. Et pourtant, Bouddha a dit, je suis un homme, là, je suis vraiment comme tout le monde. Je ne suis pas un dieu. Et pourtant, on le récupère. Hein, les gens ont besoin de sentir, ils ont besoin de créer ça. Mais non, effectivement, par contre, le bouddhisme, étant donné qu'il n'y a pas de Dieu, aucun dogme, alors, bien entendu, on ne peut pas le comparer aux autres religions, tu sais, il est loin de là. C'est une pratique, le bouddhisme est vraiment une pratique. On ne peut pas être bouddhiste si on ne pratique pas. Mais on peut être chrétien sans pratiquer, vous voyez, ça, on adhère à une religion. Mais le vrai bouddhisme, parce que oui, effectivement, d'après moi, il doit y avoir des endroits que le bouddhisme ressemble au christianisme. Non, on est bouddhiste. Moi, je suis bouddhiste, mais c'est juste parce qu'il est né bouddhiste, de parents bouddhistes. Alors, mais non, le vrai bouddhisme va au-delà des religions. Par contre, on a vu dernièrement qu'il y a eu des problèmes avec des bouddhismes très violents et tout. Et pour moi, là, on parle de religion, hein. Et quand on va dans le monde de la religion, c'est l'homme qui, pour moi, c'est l'homme qui a inventé les religions. Ça n'a rien à voir avec les messages ou avec la spiritualité. Et chaque religion a un message profond et quand même bien, tu sais, il ne faut pas le prendre au premier degré. Mais qu'on parle de l'islam, du bouddhisme, du christianisme, des grandes religions, de l'hindouisme et tout... la source est pareille. T'sais. Pour moi, il n'y a aucune différence. En ce moment, c'est l'ego des gens qui fait qu'en sorte le pouvoir, l'ego, le contrôle, on sert des religions, tout simplement. Et je suis vraiment au-dessus de ça. Moi, je regarde ça comme une comédie. Pour moi, le monde est tout simplement une pièce de théâtre. Et j'ai ma façon... J'ai ma spiritualité à moi, que je suis bien dedans. Et j'ai pas peur de dire que nous sommes tous créateurs de tout ce que nous faisons. J'ai besoin d'avoir la liberté de choisir entre le bien et le mal. D'ailleurs, il n'existe pas le bien et le mal. Mais à ma façon de voir les choses, j'ai besoin ici de voir quelque chose que je me dis, je cautionne pas. Hein. Je ne le cautionne pas parce que c'est pas bien ce qu'il fait. Mais par contre, il faut que je l'accueille. Et pour moi, l'accueillir... c'est de le permettre. Et de le permettre, ça ne veut pas dire de le cautionner. Mm. Moi, je le permets. Alors, je permets qu'il y ait du mal, je permets qu'il y ait des meurtres, des guerres. Je le permets parce que je sais que ça fait partie du jeu. Par contre, je ne le cautionne pas. Alors, en ne le cautionnant pas, ça, c'est ma vraie spiritualité. Alors, le pas cautionner, c'est d'aller manifester, c'est de m'opposer, c'est d'enseigner le zen, tu vois, ça c'est de ne pas cautionner ce que je vois comme souffrance chez les gens, le mal qui est apporté, mais d'un côté je le permets. Et le permettre pour moi, c'est justement
L'important, ça me touche pas. Ça touche pas mon ego. Ça touche pas mes émotions. Je le permets. Je dis une chose qui est importante, j'ai toujours. Choisissez-vous d'être heureux ou avoir raison. Vous avez pas, vous pouvez pas avoir les deux. Alors, si vous pensez que vous avez raison, vous ne pouvez pas être heureux parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord avec vous. Alors, c'est impossible que vous soyez heureux. On est tous connectés, n'oubliez pas. T'sais. Alors, choisissez-vous d'être heureux ou avoir raison. C'est sûr qu'à un moment donné, veux pas, on va être face à soi-même. Puis face à soi-même, ça veut dire intégrer les ombres, intégrer les parties qui se manifestent dans des tensions. Je dirais que c'est des problèmes de santé qui m'ont dirigée vers le Qigong. Mais au début, c'était plutôt des massages que j'ai reçus qui proviennent de la médecine chinoise et l'acupuncture et aussi l'herboristerie pour aider mes problèmes de santé. Ça fait que je suis rentrée par, si je pourrais dire, avec des symptômes. Puis là, je me suis rendue compte qu'en étant traité par des maîtres dans leur domaine, et ça m'amenait à soigner la personne que je suis, pas les symptômes. Les symptômes étaient un peu comme des messagers pour m'amener dans une direction. Puis j'étais quand même assez jeune, dans la vingtaine, et j'avais eu des expériences un peu qui m'avaient troublée avec la médecine ordinaire. Donc quand je suis arrivée là, j'ai vraiment senti que ça prenait en compte tout mon être. Et aussi, comme très rapidement, la personne qui me faisait les traitements a m'invité à prendre les cours de Qigong. Puis comme moi, je suis danseuse, j'ai fait vite rentrer dans cette poésie du mouvement, cette méditation en mouvement. On dirait que c'est le Qigong qui m'a pris, finalement. Il y a quelque chose qui, instinctivement, qui veut comprendre l'interaction entre mes pensées, mes émotions, comment ça se vit, comment ça peut m'influencer dans mon état d'être, dans ma relation avec les autres. Fait instinctivement, j'avais un sentiment que c'était ça, la voie, d'être intégrée. Et même aussi, si je pourrais dire, la spiritualité, pour aller chercher la paix à l'intérieur, pour aller me connecter à la nature. Fait que pour moi, ça, peut-être aussi parce que j'ai des origines amérindiennes, donc le fait de me connecter à quelque chose de plus global, intégratif, qui inclut plus grand que moi, c'était important. C'était instinctif dès la jeunesse. Le taoïsme, finalement, c'était le chamanisme de cette époque-là, d'il y a 5000 ans. C'était vraiment se laisser porter par les flots, connecter à la nature, connecter à notre propre nature avec toutes les couleurs que ça a, notre nature, et les ombres, comme je disais tout à l'heure, la lumière, les émotions, les transformations. Oui, je pourrais dire, j'ai ressenti, moi, en retrouvant cette pratique du Qigong, peut-être une reconnexion avec mes origines. Oui. Au départ, on est la lumière, on est l'esprit, et on est la conscience. Et donc, on fait juste se dépouiller des choses qui nous éloignent un peu de notre nature profonde. Et c'est pas tout à fait la vision des religions. Puis ça rejoint plus la culture amérindienne, ce qu'on a tous, plusieurs qu'on a ici en nous, ce sentiment d'être connecté avec la conscience elle-même. C'est beaucoup une source d'angoisse, ça, le fait qu'on est déconnecté de notre nature profonde. Et je pense que les religions, de la façon que nous, on les a vécues, ils nous ont même peut-être même pas amenés à toucher la spiritualité. J'ai rien perdu, là, le fait que j'avais plus de religion.
C'est le contraire, j'ai plus trouvé une ouverture pour chercher par moi-même la spiritualité. Par rapport au Qigong, moi je pense que ça offre quelque chose de dépouillé. C'est pas relié à des traditions, si je pourrais dire. Chacun peut créer sa voie, son cheminement là-dedans. Donc, c'est une discipline de relation avec ton environnement, avec ton travail, avec ta santé, ton corps, comment tu te nourris. Donc, c'est très libre, finalement. Et les jeunes, ils ont besoin aussi d'être comme le maître de leur cheminement et pas être dicté par quelque chose. Puis, les sages taoïstes, c'était, on pourrait dire, des gens qui aimaient la bonne vie, mais qui aimaient se syntoniser avec les rythmes, avec les flots de la nature, du cosmos. Donc, il y a une liberté là-dedans. Puis, je pense que la façon que les gens d'ici du Québec, parlons du Québec, ils s'approprient ces disciplines-là, ils prennent avec une... Ils les intègrent à leur façon. Ce qui attire, je pense, beaucoup les gens, c'est qu'il n'y a pas de croyance à avoir. Même s'il y a tout un système de méridiens, il y a tout un système de la médecine chinoise, l'acupuncture avec la cosmologie, les herbes, tu peux ne pas rien comprendre avec ta tête, ça, et juste te tourner à l'écoute de l'intérieur, puis toutes tes réponses viennent de l'intérieur. Ça fait qu'on pourrait tout mettre ça de côté et juste se fier à qu'est-ce qu'on ressent. Le chi, les sensations, qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui... Ah, cool! Justement, le taoïsme, il était, dans l'Antiquité, ouvert à tous les gens de toute adhérence religieuse, on pourrait dire, ou de pratique. Parce que c'est vraiment en dehors des dogmes. C'est plutôt trouver la nature, notre naturel, de sentir un appel. Ça fait que les gens, ils vont essayer plein de choses. Ils vont peut-être rentrer par la porte du yoga, rentrer par le tai chi, la méditation. Puis à un moment donné, on essaie des choses, puis il y a quelque chose, à un moment donné, ça clique. Là, tu dis, ah, ça je peux m'abandonner là-dedans, puis je sens que je vais pouvoir m'engager. Il y a quelque chose qui m'appelle. Puis c'est un cheminement. C'est pas... Les disciplines, ils peuvent varier, mais c'est de la façon qu'on s'engage dedans qui va faire qu'on va évoluer. C'est la plupart des disciplines, quand on met notre cœur, puis qu'on... ils vont être bonnes pour nous. Les gens, ils vont sauter, par contre, d'une discipline à l'autre, puis ils n'auront pas l'engagement, et là, c'est là que ça n'avancera pas. Souvent, les gens, ben, ils vont magasiner, puis ils vont consommer les disciplines spirituelles ou de santé. Puis quand ils vont arriver, puis ils vont pogner le nœud, comme on dit, quand ils vont faire face à qu'est-ce qui serait finalement le joyau. Hein. Mais quand on arrive face à ça, ça demande plus d'accueil, d'amour. Là, on dit, OK, là, c'est vraiment, je le fais pour moi. Et au lieu de fuir, mais c'est là que les gens, là, ils vont voir une autre discipline. Ils vont voir une autre discipline. Et c'est ça la difficulté. Parce qu'on veut un résultat. On cherche des résultats. Au lieu de chérir le processus, puis de voir toutes les perles à travers chaque moment, on veut tout de suite une pilule. Mais le Qigong ne va pas être une pilule non plus. Et ça dépend vraiment du courage que tu as de lâcher tes préconceptions, lâcher tes tensions, lâcher la personnalité que tu es pour arriver à un endroit plus neutre où est-ce qu'on a un état de conscience plus élargi. Quand nos idées, notre mental qu'on appelle, il prend beaucoup de place, c'est comme si on se déracine et puis on perd un peu le contrôle. On devient comme un peu happé. Hein, par un monde imaginaire, puis on vient qu'à croire tout ça. Donc, ça peut créer beaucoup d'anxiété, d'angoisse, parce qu'on veut contrôler avec la pensée. Puis finalement, ça demande de lâcher le contrôle pour atterrir dans la vérité. Notre corps, il est toujours dans le moment présent. Il va toujours nous envoyer les feedbacks qu'on a besoin pour ajuster notre comportement, ajuster nos pensées,
ajuster nos émotions. Qu'est-ce qui nous donne vie? C'est ça le chi. Puis qu'est-ce que chaque personne va sentir? C'est ça le chi. Ça pourrait avoir plusieurs définitions. Mais en fait, c'est cette vie qui habite toute chose. Et si le chi bloque, le sang bloque, les liquides organiques bloquent. Et finalement, la résolution de tous nos problèmes, c'est lâcher tout le contrôle qui se manifeste dans des tensions. C'est la philosophie du Tao, c'est le Wu-Wei, ça s'appelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Il y a une grande vague. Le Wu-Wei, c'est aller sur le courant en offrant le moins de résistance et suivre les vagues, mais en restant très centré et avec une intention claire, mais pas sur leur résultat. Sur, OK, m'adapter à tous les courants qui passent et sans le moindre résistance possible. Une pratique comme le Qigong, ça nous amène à être à l'écoute de nos vrais besoins fondamentaux. Donc, qu'est-ce qui est surplus? On va le laisser aller. Et ce sentiment, peut-être, qu'on court toujours après quelque chose, il va s'apaiser quand on répond vraiment à nos besoins profonds. Puis en répondant vraiment par nous-mêmes aussi à ces besoins, on va pouvoir être à l'écoute des besoins des autres. Et c'est toute une question de relation, ces pratiques méditatives énergétiques. Aussi, quand on est en relation avec les autres, souvent, ce qui va nous déconnecter de l'autre, c'est que on pense que ce qu'ils pensent, on projette sur les autres et même on veut les contrôler. Et dans les pratiques de Qigong, on laisse le flow que je vous parlais tout à l'heure. Et si ça bloque, ça bloque. Si ça revient, ça revient. Il n'y aura pas un désir de contrôler l'autre aussi ou contrôler la nature, vouloir la manipuler. Il y a beaucoup de lâcher prise qui s'installe. Et laisser faire le naturel. Et ça ramène beaucoup d'harmonie dans les relations. L'être humain, je pense qu'il est toujours en quête de ces moments de transition et de transformation. Puis c'est le principe de la médecine chinoise, le yin, le yang, toujours en train de danser ensemble pour créer un équilibre, laisser mourir, laisser renaître, comme les saisons. Puis tous les mouvements de Qigong, il participe à intégrer ce concept, si on pourrait dire, ce principe de vie. Le Qigong, c'est une pratique quotidienne, c'est une pratique qu'on amène dans notre quotidien aussi. Donc, chaque fois qu'on sent qu'on a besoin de marquer par une sorte de rituel, ne serait-ce que aller dehors puis laisser aller quelque chose qu'on traîne du passé, on peut le faire quand qu'on veut. On est libre de créer même nos propres rituels dans ces pratiques-là. C'est là que devient le chamanisme, c'est qu'on suit notre instinct. Before we sort of made it, as they say, money was partly the goal, but it still wasn't sort of, let's get some money. But we sort of suddenly had money, and then it wasn't all that good. By having the money, we found that money wasn't the answer, because we had lots of material things that people sort of spend their whole life to try and get. We managed to get them at quite an early age. And it was good, really, because we learned that that wasn't it. We still lacked something, and that something is the thing that religion is trying to give to people. Le néolibéralisme, il est venu, couper nos rêves parce qu'il a remis en cause le rôle central de l'État dans la formation de l'esprit critique, de l'individu. Et on est venu donc dire aux gens, pour être heureux, vous n'avez pas besoin de pensée, vous n'avez pas besoin de culture, vous n'avez pas besoin d'éducation, vous avez besoin d'avoir beaucoup d'argent. Et pour avoir beaucoup d'argent, faut pas beaucoup travailler, parce que là, si vous spéculez, c'est bon. Et donc, ça vient détruire, du coup, tous nos anciens schémas.
Si on veut gagner de l'argent, bon, bah, il faut travailler. Le néolibéralisme vient nous apporter des solutions faciles, des solutions rapides. Et donc, tout le regard que nous avions sur le travail, sur l'effort, a été, si vous voulez, détruit. Ça met à mal le modèle des Lumières, parce que sans l'État, l'éducation ne peut pas se faire. Sans l'État, la culture, évidemment, une culture accessible, une culture de qualité, eh bien, ne peut pas rentrer dans les maisons. Il ne peut pas y avoir une accessibilité, donc à coût réduit. Et on est venu nous vendre, eh bien, des bébelles. Alors, on est toujours en train de courir à droite et à gauche pour acheter le maximum de bébelles possible, bien espérant qu'on va être heureux. Or, l'individu ne peut pas être heureux, dans un bazar de bébelles. On a besoin de trouver un sens à notre vie. Et ce qui vient donner un sens à notre vie, c'est évidemment des questions, les questions existentielles. Pourquoi on est là? À quoi on sert? Et surtout, comment est-ce qu'on construit des projets communs, des projets collectifs? Quand la politique cesse d'être une religion, les religions deviennent des politiques. On voit aujourd'hui que plus on se modernise, plus on crée un vide d'appartenance, un vide de référence, et que cette vacuité est comblée. Par quoi? Parce qu'il y a de plus solide dans le cerveau, si j'ose dire, c'est-à-dire dans l'hypothalamus, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de plus fragile dans l'évolution humaine, c'est ce qu'il y a de plus récent. Les structures politiques sont récentes. Les structures claniques, tribales et religieuses sont plus anciennes. En cas de crise, et il en va ainsi des individus d'ailleurs, une crise psychique, c'est toujours la remontée des couches les plus archaïques. Donc aujourd'hui, nous voyons ressurgir toutes ces couches archaïques qui sont beaucoup plus solides. Quand les pays s'haïssent de plus en plus, quand les migrants sont partout, sont accueillis, rejetés, battus, bafoués, on n'en veut plus. Quand les musulmans voilent leurs femmes de la tête aux pieds, c'est certain que ça fait bien des choses à régler par rapport aux petits problèmes qu'on a eus dans le passé. Mais on est quand même passé à travers des guerres mondiales, on est passé à travers des fléaux. De plus en plus de femmes devraient être au pouvoir parce que le résultat des hommes donne ce qu'on a comme planète, là. On est en train de la polluer, de la détruire, de la souiller, de la saccager. On est in extremis dans notre intervention. Mais en même temps, si on ne croit pas à l'humanité, si on ne croit pas à l'être humain, si on croit vraiment qu'un appareil est intelligent, c'est foutu. Mais je pense que l'éducation fait la différence. Et puis éventuellement, un peu de spiritualité, quelque part, on ferait pas de tort. Sommes-nous là tous présents? La cérémonie commence maintenant. Puis, je m'endors en rêve, dans un pavillon japonais, où se déguste le thé vert, devant un Bouddha innommable, près des bonsaïs nanistes. Je sais, c'est un cercle vicieux. Lire un poème, c'est se sentir interpellé de l'intérieur et se sentir transformé, comme quand on lit un texte de bouddhiste, ben tu lis Néligan et tu entres dans une dimension d'une grande littérarité, d'une grande spiritualité, et c'est irrésistible. Ça, c'est la photo célèbre de Néligan, là. Dandy, à la David Bowie, presque, à la T-Rex, à la John Mellencamp, dans côté rock. C'est un grand romantique qui vit un spleen insondable. Il s'est fait faire la passe d'Alice Robbie, Hawaï à l'asile, il enlève les crayons, il enlève tout, il donne les crayons, mais pas de mine, tu sais, juste un efface, tu sais, pour qu'il efface avant même d'avoir écrit. C'est là qu'on a de la misère avec la religion catholique, c'est là qu'on a raison
de questionner, de critiquer et même de condamner pour tous les détournements de jeunes, des abus sur les jeunes, les abus sur Alice Roby, sur Émile Nelligan. J'avais jadis un petit jeu. J'aimais rentrer dans mon cerveau. Tu sais, je pense ce que ça vaut. C'est juste un bond vers la foule. Ma génération, c'est celle qui suit le refus global puis le rejet des valeurs imposées par le duplessisme, par l'Église. Et on a rejeté en bloc, comme on dit, tu vides l'eau du bain, puis le bébé avec, puis le bain avec, puis toute la gamique. Puis là, on a dit, on ne fait plus baptiser nos enfants. Tout ça s'est fait d'une façon assez naïve, c'est-à-dire que on a remplacé donc l'Église par le PQ. Le problème, c'est que dans le PQ ou dans tout autre parti politique, il n'y a pas de valeur spirituelle. Alors, on a sacrifié à peu près, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 70 ans, au moins 3 générations où on a mené la lutte contre l'Église parce qu'on nous a dit que l'Église nous avait tenus dans la grande noirceur. Donc, on a mené une lutte en se servant de nos enfants, on les a pris comme en otage, puis on a dit, vous ne serez pas baptisés. Et puis, on ne les a pas envoyés vers le bouddhisme, vers l'hindouisme, vers le Bouddha ou Krishna, etc. On n'a rien donné à nos enfants comme valeur spirituelle intérieure. Moi, qui étais un athée, un païen, un agnostique, un lecteur de Jean-Paul Sartre, je pouvais définir pourquoi je refusais la religion. Mais la plupart de mes amis faisaient que rejeter la religion catholique parce qu'on leur a dit « la religion catholique vous a aliéné, vous a gardé dans une grande noirceur, etc. » Il y avait du vrai dans ça. Mais tu ne peux pas tout annuler une tradition sans la remplacer par d'autres valeurs. Là, je parle de type spirituel. Donc, personne s'est posé de questions à savoir un jour, il va manquer, il va avoir un vide. Oublie ton nom, ferme les yeux. Oublie le monde, oublie la foule. Nous érigerons le nouveau culte. À partir d'un moment donné, vers 40 ans, etc., le dimanche, on allait manger avec ma blonde Claudine Bertrand, écrivaine, ma fille Virginie, devenue écrivaine. On allait manger, puis après, on allait à l'église Notre-Dame. Et pas d'adversité envers l'église catholique parce que il aurait fallu que moi, je lui dise, si je l'avais eu plus jeune, je l'aurais endoctriné dans un paganisme, une païenne. Écoute, l'Église, c'est des méchants, les prêtres, c'est tout des vicieux, etc. Mais c'est pas les prêtres qui sont importants, c'est les valeurs qu'il y a. Toute religion a des valeurs. Et à un moment donné, quand tes valeurs sont pas bonnes, ben tu les mets de côté puis tu gardes ce qui est bon. Ma fille, moi, elle a été baptisée. Bon, elle n'a pas fréquenté l'Église, mais oui, il y avait une sœur qui l'appelait pour qu'elle vienne aider pour préparer la messe, des trucs. Virginie y allait, Acholet, Rochignet. On l'a envoyée dans les scouts pour essayer de lui donner, c'est une fille unique, donc on voulait lui donner des valeurs, des points, des assises et des pierres angulaires, et, etc. Et puis finalement,
Je l'ai emmené au centre bouddhiste en Californie. Puis avec le chapelet, on appelle un Jozu, c'est le bouddhiste de Nichiren Daishonin, c'est japonais. Et puis, pour l'habituer à avoir recours à autre chose que des slogans de partis politiques. Donc, avoir recours à des valeurs en elle, moi, j'ai choisi le bouddhisme de Nichiren Daishonin et puis elle récitait par cœur des grands bouts du Sutra du Lotus. Et puis aujourd'hui, ces valeurs-là font qu'elle est engagée. Elle va travailler pour des causes populaires, pour aider les itinérants. Elle est allée à Dharamshala avec 500 livres, elle et son amie Zora sont allés là-bas et ont donné des livres pour des bibliothèques pour les réfugiés tibétains et ainsi de suite. Là. Puis j'en passe, mais elle est une créatrice de valeur. Je pense, puis on me corrigera, que le Québec, à part la Russie communiste et les pays communistes, on est le seul pays païens au monde, mais sans que les jeunes puissent expliquer pourquoi ils sont païens ou pourquoi ils sont agnostiques ou non-croyants, pourquoi ils détestent une religion plus qu'une autre. Moi, ça me terrorise. Parce que ça veut dire qu'ils vont faire des enfants dans le vide spirituel. Les communistes, ben, qu'est-ce que tu veux, la Russie communiste, puis Cuba, marxiste, puis ainsi de suite. Bon, ils ont, c'est des valeurs quand même. C'est pas des valeurs, d'après moi, qui peuvent élever l'individu au-dessus des obsessions matérialistes. Mais moi, je suis content d'avoir donné à ma fille un. J'ai fait baptiser. Moi, je pense que tu dois donner à ton enfant toutes les possibilités et les ressources. Puis s'il décide plus tard de dire « Moi, j'ai été baptisé, mais je pratique pas », eh bien, c'est parfait, c'est sa décision. Chateaubriand a écrit un livre magnifique, « Le génie du christianisme ». Parce que, promène-toi en Europe partout, puis les chefs-d'œuvre du christianisme sont dans tous les pays d'Europe. Ici, on avait un héritage de ça, dans des églises superbes qu'on avait, mais bon, tout ça est tombé. Il faut quelque part remplacer quelque chose par quelque chose d'autre, puis il faut que le cerveau, là, il fonctionne. Et puis, tu ne fais pas baptiser ton enfant, il faut qu'un jour tu lui dises pourquoi tu as pris une décision telle. Puis, tu as peur parce que ta femme a dit notre enfant ne sera pas baptisé. On va en faire une païenne, mais on ne va pas y enseigner c'est quoi être agnostique. Tu sais, ma petite Lucie, tu vois là, Jean-Paul Sartre, ça c'est un écrivain qui a dit que Dieu, comme né, Dieu est mort. Là, tu enseignes une idéologie où l'enfant peut, en grandissant, défendre pourquoi il est comme il est. Comment veux-tu qu'on ait culte des valeurs laïques, je parle même plus de spirituelles, laïques, concrètes, puis évidentes et incontournables? Eh bien, c'est dommage, et c'est comme ça. C'est qu'il n'y a pas juste les jeunes qui sont laissés à eux-mêmes. T'imagines-tu? Je veux dire, ça va mal à la charte, comme disait le gars. C'est la perte de l'humanité, c'est-à-dire qu'on ne veut plus parler au monde. La personne est en face de nous, on est dans un café, on y texte. C'est comme si, et moi-même, je suis devenu presque accro de ça, c'est-à-dire, au lieu d'appeler quelqu'un, je vais y texter. C'est que on développe une terreur d'entendre l'autre. Plutôt que de s'engager dans une conversation avec argumentation, on texte.
L'autre nous corrige en texte, hein, puis là, si on est tanné de lui, on lui a envoyé un smiley ou un sub ou un peace ou whatever. On a commencé par se parler au téléphone. On a continué en se laissant des messages sur des répondeurs. On a ensuite pris un appel, puis on a dit « Attends, j'ai un autre appel, je te reviens. » Là, on parle à la personne, elle dit « Attends, j'ai un autre appel, je te reviens. » Là, il revient à son premier appel qui lui dit « Écoute, je t'attendais, mais je viens d'avoir un appel, je te reviens. » Là, à un moment donné, ils sont 12 à se revenir. Il n'y a pas personne qui a parlé à personne, là. Ensuite, le fax est entré, on va se faxer des affaires au lieu de se parler. C'est comme un long cheminement vers la jouissance individuelle de ne se parler qu'à soi-même en présence de l'autre de manière virtuelle. L'objet n'est plus devenu un objet de communication rapide, comme le voulait Steve Jobs, mais un obstacle à la communication, c'est-à-dire que tout est toujours dévié, tout le monde jouit de son appareil comme s'il était avec une personne réelle. Il appelle ça un appareil intelligent. C'est fort. L'intelligence était ce qui faisait de l'être humain la différence entre lui et les autres espèces, végétales, animales. Mais maintenant, là, l'intelligence ne nous appartient plus. Elle appartient à l'appareil. C'est l'appareil qui est intelligent, qui est doté de l'intelligence. Mais là, tu n'as pas de contrôle, c'est l'appareil qui te contrôle. Je le répète, on le dit, c'est des appareils intelligents. Nous autres, ben, on est des hédonistes impotents, puis on est là, puis... À un moment donné, il va y avoir des applications, tu te colles ça, ses organes génitaux, puis t'as besoin de Viagra, t'es déjà en érection. Et moi, je trouve que l'idée de Steve Jobs était tellement formidable au départ que on s'est soumis à l'intelligence des appareils, et ce sont ces appareils-là qui nous font jouer. Et ça, c'est... Bien, disons 1984, le meilleur des mondes. Eh bien, c'est là qu'on s'en va, parce que Facebook... Hey, qui aurait pensé qu'un jour, quand on dropait de l'acide dans les années 60, qu'on allait donner sur un appareil tous nos secrets, quelle musique j'aime, quel genre de gars, quel genre de fille j'aime, c'est quoi mes fantasmes, c'est quoi ci, c'est quoi ça, on donne tout sur Facebook. Et Facebook, qu'est-ce que c'est? C'est une corporation qui prend cette information-là puis qui avance. Puis nous autres, les caves, on donne ça. Pour moi, la terreur, c'est de voir du monde dans des cafés, tout le monde est sur son écran. Et donc, chacun, là, et puis tout le monde, Facebook connaît tout le monde qui est là, toutes les affaires, Twitter, tout le monde sait qui, sur quoi, qui pense comment, puis etc. Puis tout le monde est content de ça. Jamais vu ça, moi. On a eu peur de 1984, du meilleur des mondes, on a eu peur de tout, on s'est dit, hey, tabarnak, il faut jamais que ça arrive. Mais non seulement c'est arrivé, c'est nous autres qui l'alimentons. T'écris un roman où les satellites, quelqu'un les fait sauter. Tu peux-tu t'imaginer demain que t'as plus de Wi-Fi, de laptop, de cellulaire pour communiquer? Mais je veux dire, le monde va être dans la rue, là.
danser à Danse du Canard, ses coins de rue, puis en crise d'épilepsie, des queues aux lèvres. Chris, donnez-moi, connectez-moi, faites quelque chose, je vais entendre. Ils vont se plugger sur n'importe quoi. ils vont se plugger sur des poteaux de téléphone, ils vont dire. Il faut que je parle à quelqu'un, il faut que ça m'arrange ça, tu sais. Puis là, les pays vont dire, on peut plus, les satellites ont été, les extraterrestres, ils ont fait sauter. Là, vous êtes obligé d'aller voir votre voisin, y parler, puis aller voir votre blonde, y parler, votre chum, puis... Peut-être aller à l'église, pourquoi pas? Peut-être aller à l'église, vous entendre quelqu'un vous dire des valeurs un peu plus supérieures à le signal du Wi-Fi. Alors, maintenant, Dieu, c'est Wi-Fi. Bon. Les appareils ont été faits pour qu'on puisse apprendre, communiquer, se renseigner, aller chercher une information rapidement pendant que tu es en train de lire un livre. Mais ce que je vois, moi, dans les cafés, là, c'est le monde est. C'est d'une aberration incroyable. Et chaque personne est devant son écran. Chacun est isolé dans la bulle de son appareil, là, et puis il est autosuffisant. Personne parle à personne. Avant, il y avait des églises. Des gens allaient à l'église, puis ils se parlaient sur le parvis de l'église. Puis ils échangeaient des poignées de main, puis ils se disaient « Ouais, OK, on se voit la semaine prochaine à tel événement, à telle affaire, tu sais. » Les gens se voyaient, se sentaient, se parlaient. Maintenant, il n'y a personne qui parle à personne. Le monde texte à tout le monde, puis ça reste lettre morte. Comme on dit, la terre est ronde, mais le monde est plate en Christ. Parce que je pense que nous autres, dans les 60s, il y a eu une réaction, mais... là, c'est pas une réaction qui s'apprend, c'est une action. Où sont les bolos et cerceaux de nos blondes? Nos jeux d'amour sont révolus. Le rituel nous accable et amenuise nos cerveaux dans les applications obsédantes. C'est la fille permise à volonté. C'est la fille permise à volonté. Ne le dites pas à ma mère. Ne le dites pas à ma mère. Ne le dites pas à ma mère.
C'est-tu plus difficile d'être une femme en ce moment au Québec qu'à l'époque de ta grand-mère? Je sais pas à quel point ça l'a changé. Mais moi, pour vrai, pour la beauté et tout ça, je me sens pas affectée du tout. Mais c'est sûr que si je m'imagine que si j'aurais été différente, que j'aurais eu un corps différent, que j'aurais eu des problèmes de poids ou des problèmes de peau, peut-être ça aurait changé ma vie au complet. Je pense que c'est vrai que peut-être avoir une certaine beauté rend peut-être la vie un petit peu plus facile. Bien, j'ai construit ce numéro-là en pensant, mon numéro de bandage, j'ai pensé à une femme qui était pas bien avec elle-même, pas bien avec ses désirs, qui comprenait pas nécessairement bien ses désirs, puis qu'elle se sentait coupable aussi de qu'est-ce qu'elle ressentait, puis elle a décidé d'aller consulter. Puis, en racontant son histoire, puis malgré les consultations, elle s'est rendue compte que ça servait à rien, puis que le mieux, bien, c'est juste de vivre avec soi-même, puis de s'accepter comme elle est. Donc c'est ça la symbolique de la corde à la fin, c'est que... C'est un peu de s'attacher, puis ben ouais, la signification des cordes, c'est qu'elle s'attache à elle-même, dans le fond, qu'elle vit avec elle-même, mm-hmm. qu'elle est prise avec qui elle est, dans le fond. Qu'est-ce que je peux faire comme lien entre la méditation? Mm-hmm. C'est le fait que tu es concentré sur un mouvement qui est répétitif, comme au lieu de te concentrer sur ta respiration, mais tu te concentres seulement sur la sensation de la corde qui glisse sur ton corps, puis c'est un... justement un mouvement qui est très répétitif, toujours le même, toujours constant. Puis qu'est-ce que je trouve de la sensation de la corde, c'est très réconfortant. Mm-hmm. Puis aussi la sensation que la corde te serre, pour moi c'est comme une grosse caresse, c'est une sensation vraiment de tendresse, d'amour que je ressens. Autant quand je me fais attacher ou que peu importe, ou que moi je m'attache. Donc, ça prend comme tu disais une confiance envers la personne aussi qui t'attache. Là. Ouais, c'est un abandon. Ouais, c'est vrai, c'est un abandon. Puis c'est un grand signe de respect entre les deux aussi, que j'ai l'impression. Est-ce que tu trouves qu'il y a comme un aspect comme religieux dans l'abandon un peu? C'est comme si tu abandonnes une autre personne, comme ceux qui s'abandonnent une force supérieure. Je sais que pour certaines personnes, ça pourrait l'être, que ça peut être une sorte de rituel. Puis aussi, tu disais que tu étais intéressée par la méditation plus traditionnelle. Ouais. Comme le bouddhisme et cette méditation-là, c'est ça? C'est quoi qui t'a attiré vers ça, au départ? Au départ, c'était vraiment de pouvoir avoir le contrôle de mes pensées. Mais plus j'en ai fait, plus j'ai suivi des classes, plus que j'ai vu les valeurs qui m'intéressaient. Maintenant, je me rappelle tout le temps des valeurs que j'ai apprises dans mes cours, plus que la méditation. Peut-être que je la pratique moins, mais je garde en tête toujours les valeurs que j'ai apprises. C'est quoi les valeurs qui t'ont plus interpellée ou que tu retiens? Pour moi, le plus important, c'est qu'on est tous égaux. Okay. On cherche tous à être heureux d'une certaine façon. Peut-être qu'on s'y prend pas toujours de la bonne façon, puis on cherche tous à être heureux et d'éviter la souffrance. Mm-hmm. Donc, ça me permet d'être plus ouverte aux autres, mm-hmm. de toujours penser « Ah, cette personne-là, elle essaye d'être heureuse, mais peut-être qu'elle s'y prend pas de la bonne façon. » Donc, je suis plus à l'écoute, puis je suis plus consciente des autres à ce moment-là. Je pense qu'au départ, je le voyais pas, mais oui, de plus en plus, tu te rends compte que tout le monde pense seulement à eux-mêmes, tout le monde est concentré sur eux-mêmes, tout le monde focus sur leurs bobos sans penser que tout le monde a des bobos, tout le monde a des choses qui ne vont pas bien, puis être conscient de ça, qu'on n'est pas la personne la pire au monde. Il y en a beaucoup d'autres qui vivent des choses plus dures que nous. J'ai grandi dans une religion catholique, mais on dirait que quand j'étais jeune, je ne comprenais pas vraiment. Puis même en faisant des cours de méditation, je me suis rendu compte que oui, c'était les mêmes valeurs que j'ai apprises quand j'étais petite, semblables, mais que j'étais peut-être pas ouverte à ça. Mais en même temps, je pense que c'est aussi en vivant des choses que peut-être qu'au départ, j'en avais même pas besoin de ce bagage-là. Puis peut-être c'est pour ça que je comprenais pas vraiment, parce que peut-être quand t'es plus jeune, t'es plus naïf, tu souffres moins, tu vis moins de choses. Puis plus que la vie avance, plus que tu te rends compte, OK, il y a des choses qu'il faut que t'affrontes dans la vie, que peut-être que quand j'étais plus petite, j'étais pas consciente, puis que ce bagage-là serait utile pour moi plus tard. Puis peut-être aussi tout le côté de l'histoire, de Dieu, Jésus et tout, que ça m'accrochait pas non plus. Peut-être que même dans la religion bouddhiste, la même chose, encore les dieux et tout, ça m'accroche pas tant.
mais c'est vraiment plus les valeurs, le message derrière tout ça. Ouais. Et que oui, il y a des valeurs universelles, que la valeur de la liberté, que la valeur de l'égalité, que la valeur de la justice, ce sont des idées universelles. Et c'est ça ce qu'on doit mettre en avant fondamentalement, ce qui nous rassemble. Parce qu'on est tous humains et on est tous dotés de la même raison. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas se mettre d'accord sur un minima social. Et le minima social, celui que prenaient les Lumières, c'était de rendre la croyance et la non-croyance de l'ordre de l'intime. Or, aujourd'hui, la croyance devient de plus en plus collective. Et c'est sur ce terreau que naît le communautarisme. C'est sur ce terreau que prospèrent les intégrismes. On doit tolérer les intolérants, parce que les accommodements religieux, ça peut aussi vouloir dire qu'on doit tolérer l'intolérance. Parce que lorsqu'on est à défendre, par exemple, le port du voile intégral, comme le fait le Premier ministre Trudeau, ça envoie de drôles de signaux à notre société. Et dans les crises que nous traversons, il n'y a rien de pire que l'ambiguïté. C'est précisément sur le terreau de ces ambiguïtés que les extrêmes naissent. Que l'extrémisme musulman, lui, titille évidemment les personnes qu'il veut, mais aussi l'extrême droite, c'est-à-dire des gens qui vont nous faire croire qu'avant c'était très bien, qu'on vivait dans une espèce d'homogénéité et que finalement c'est la solution. Or non. Et donc, si vous voulez, nous avons des gens qui viennent de pays, instables, qui vivent un certain nombre de questionnements par rapport à la nature même de leur état, par rapport à la modernité, et ainsi de suite, et qui vont, qui rencontrent une crise existentielle aussi. Regardons, interrogeons l'état de notre société, par exemple, de la société québécoise. Elle vit sur plein d'ambiguïtés. Et donc, si vous voulez, c'est la crise existentielle, autant la nôtre que celle des gens qui viennent de par le monde et qui, eux aussi, vivent leur propre crise existentielle qui fait qu'on vit une méga crise existentielle. Non, mais c'est vrai, parce que il n'y a rien de clair. J'ai été élevé à Rosemont, mes deux plus grands amis, il y a un Yougoslave, un Espagnol, Pépine, Pedro. J'ai jamais eu de problème avec la couleur, la langue, la race, mais là c'est trop. On se fait faire ce qu'on a fait aux Amérindiens. Là c'est un génocide de la nation québécoise. Comme les Incas, nous n'avons pas su. Là, je vous présente Monsieur l'Indien. En l'honneur de tous les déracinés du monde par la civilisation. Un matin, il y a un gars qui cogne sa peau du tipi. Pour demander la permission. Les étrangers ont le front de venir nous dire qu'on fait pas assez d'enfants, alors que c'est eux qui en font trop. Une des raisons que ces pays-là, il n'y a pas seulement les guerres, la corruption, il y a d'autres raisons. Ils font trop d'enfants chez eux et ils répètent les mêmes habitudes chez nous. En plus, on leur donne un chèque. Mm-hmm. Moi, j'ai fait une croix sur la fleur de l'Isée. Les deux barres blanches, j'ai fait une croix avec ça. On oublie le Québec. J'ai le cœur crevé. Les frontières sont poreuses.
Tout le monde dit la même chose. On est menacé dans notre pays. On est ici, on est ça. Ils disent tous la même musique. Oubliez le Québec. Moi, ça a déjà été, comme j'ai déjà dit dans Le Poète en feu de glace, qui a été publié aux éditions Les Écrits des Forges. L'immigration, j'ai connu ça à Rosemont, j'ai connu ça à... Il n'y a pas de problème avec ça. Ça a déjà été une richesse, mais c'est devenu un fléau. On n'est pas responsable de tous les problèmes du monde. On va tout perdre. Nos hôpitaux sont débordés, nos infirmières sont épuisées. C'est pas seulement... Mais l'immigration, c'est le trop. Mm-hmm. Le trop. Dans les écoles, les professeurs ont de la misère à s'occuper de chaque élève. Et voyons donc, pauvre Québec. Nos prisons, on est rendu avec cinq menus. On construit des prisons, le crime a augmenté. Puis ça, on a honte de parler chez nous. Là, c'est assez, là. À force de respecter l'autre, on le tue. Adieu, mon beau Québec, génocidé à genoux. Prends le large en silence. Sur ton navire fantôme, tu vas me manquer. Je veux dormir encore un peu avec toi, avant qu'il nous emporte à nos naufrages. Adieu, mon grand navire tant aimé. Je t'en supplie, va te couler là où on ne pourra jamais te retrouver. Quand je serai disparu d'avoir bien dynamité la raison, je regarderai la mer dans les yeux, sachant éternellement que le merci la vie a été inutile et gonflé. C'est fini, ne finis jamais d'en finir. Si ce n'est dans mon cœur ou dans les bras de l'aimé, ne trouverai-je jamais ce lieu où attendre l'improbable écho d'un sens à tout cela. Un lieu si nonchalant et endormi qu'il me permettrait de trouver la blancheur du papier. On a jeté les curés dehors. Puis là, on est 90 mosquées à Montréal. Il y a une mosquée au Nunavut. C'est quoi ça? Je me rappelle, j'étais à Paris il y a 15 ans. En taxi, le chauffeur, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est la prière. Comment ça, la prière? Il bloque les rues avec le maniaquerie. Voyons, non. C'est pas avec l'islam. On avait une église orthodoxe, on avait nos églises normales. Là, c'est rendu l'église de la petite rivière, puis l'église du grand frère. C'est toutes des tax shelters. C'est toutes des évasions fiscales. Les religions, c'est de la business. Moi, je crois en Dieu. Je prie Sainte-Marguerite-Diouville tous les jours. Mais je ne dérange pas personne avec ça, par exemple. With this red ink. Nous sommes tous dans ce chemin de la croix. C'est nous les Christ. Dans un désordre d'idées, la seule façon de sauver le monde et lui avec est de tous les arrêter de dormir. Tu travailles pour le gouvernement, là, tu veux une job, là. C'est pas la place pour te promener, man, avec un scapulaire, avec un crucifix de 12 pieds dans le cou, là. Puis se faire poser pour un permis de conduire, puis tu vois pas... Moi, dans ma classe, là, j'avais des étudiantes, là, qui étaient complètement voilées, là. Comment je peux savoir si c'est elle ou sa sœur ou son frère? Je veux dire, on vit dans une société où on veut voir les gens dans les yeux. On veut lire leur visage. Mais eux ont décidé qu'ils ont le droit de se cacher complètement. Le seul texte religieux que je connais qui peut nous sauver, le seul texte qui a une puissance mondiale, c'est Imagine de John Lennon. C'est le plus bel hymne à
la fraternité universelle, un hymne national, international, cosmique, à la vie sans pays, sans religion, sans possession. On n'a pas besoin d'aller toujours chercher dans les textes du Dalai Lama. Hein, qu'à écouter Imagine de John Lennon, là, puis est en route pour une planète qui va marcher mieux. D'abord, l'individu existe. Il existe non pas à travers son rang et à travers son sang, mais il existe à travers sa raison. Sa raison qu'il va évidemment nourrir à travers l'éducation et la culture. L'État, en somme, a cette responsabilité d'élever les citoyens, c'est-à-dire de leur offrir des espaces d'émancipation, l'éducation et la culture. Dès le moment qu'on peut mener autant l'articulation sociétale, c'est-à-dire la laïcité, avec l'articulation sociale, tout va bien. Mais dès lors que la machine commence à s'essouffler parce qu'elle n'arrive pas socialement donc à jouer son rôle interventionniste, eh bien, disons qu'elle commence à s'essouffler. Aujourd'hui, la responsabilité première, elle incombe d'abord et avant tout aux États. Ce sont eux qui ont la responsabilité de nous protéger, de protéger les citoyens. Mais protéger pas seulement sécuritairement. Ce n'est pas seulement ça. Bien sûr, nous avons besoin de la sécurité. C'est d'ailleurs la première liberté. Mais protéger veut dire aussi offrir des perspectives, nourrir des horizons, nourrir des rêves. Et donc, nous avons besoin de projets collectifs. Donc, aujourd'hui, l'éducation et la culture me semblent essentielles, d'abord dans la construction de l'esprit, mais aussi de toute société. Une société qui veut avancer, une société qui veut produire, une société qui veut vivre au diapason de son époque se doit d'être forte de sa connaissance, de sa culture, c'est-à-dire une communauté faite de citoyennes et de citoyens québécois qui sont imprégnés de leur histoire, de leur langue, de leur culture et qui ont les yeux grands ouverts sur le monde, j'ai envie de dire aussi, mais aussi les bras ouverts sur ces milliers de personnes, voire ces millions de personnes qui vont devenir demain aussi eh bien, des citoyens québécois et qui viennent d'ailleurs pour enrichir notre mosaïque. Parce que je voulais aller plus loin, parce qu'il désirait pénétrer dans le nirvana de l'enfance, il partit au désert. Sa femme l'y suivit à son insu, avec une expédition qui questionnait les nomades. Enfin, on apprit à un oasis qu'il était passé 2 jours auparavant dans une jeep. L'autre caravane qu'ils croisèrent leur parla d'un blanc, mais à pied. Quand on retrouva ces pistes, on dut les suivre encore longtemps. On ne remarqua rien d'anormal, mais après un moment, on découvrit que ces traces s'altéraient étrangement et s'irrégularisaient. 2 jours plus tard, on ne suivait plus que de très petites pistes, presque de bébés, entrecroisées des traces d'un échassier quelconque. Dans une nuit que les pattes d'oiseaux, les porteurs s'enfuirent. Elle continua seule. Au bout de ses forces, elle retrouva un jouet. Il s'était sûrement envolé. Il croyait. Quand on parle d'hédonisme, il est évident que quand tu vois l'obsession non seulement des jeunes, mais des adultes sur le iPhone, le iPad, le laptop, il y a quelque chose là qui est effarant. Si t'es pas sur Facebook, t'es considéré un innocent. Le gars hier me dit, ben ouais, mais ton Facebook, il est fini en 2016. Mais j'ai dit que ça va être mieux que ça. Je m'en vais le fermer, mon Facebook. Il n'aura plus. Alors moi, ma fille, aujourd'hui,
par exemple, est en Espagne là, pour 6 mois, eh bien, quand elle se retrouve seule, qu'elle a un cafard infernal, eh bien, elle allume son encens, puis elle fait ses mantras, dont le mantra Nam-myoho Renge-kyo, et puis elle s'appuie là-dessus, puis parfois elle entre dans une église pour s'asseoir puis trouver le calme, quand l'église est vide, où il y a quelques personnes, et puis là, elle trouve son centre. T'as des rappers qui sont maintenant des acidiques, puis ils font du rap. Alors moi, je dis, j'ai un rocker catholique, puis l'autre jour, j'ai fait un punch sur un rythme, un riff de rock, j'ai fait le Je crois en Dieu. M'en suis rappelé, je ne sais pas comment, parce que j'ai pas fait ça depuis 30 ans, 40 ans. Puis là, j'ai fait le Je crois en Dieu. Puis il y a eu dans la salle un silence. Puis à un moment donné, le monde s'est mis à applaudir. Mais effectivement, quand tu dis Dieu, ça fatigue les gens. T'sais. Aujourd'hui, là, moi, ça va. Je peux parler de Dieu sans problème parce que j'ai plus la même compréhension du Dieu que j'avais il y a même 10-15 ans seulement. J'ai tout fait, là, dans le monde underground, dans le monde fétiche. J'ai tout fait pendant, j'étais moine zen. Là, je me suis pas venu en Corbillard à Montréal. J'ai une boutique gothique, je me suis tenu au foufoune électrique dès l'ouverture, avec des punks, j'ai eu un mohawk sur la tête, j'ai dirigé du zen avec les cheveux rouges, ainsi de suite. T'sais. Pour moi, ça n'a pas de... c'est pas une contradiction pour moi. Avec toute humilité, tout ce que j'ai fait, j'ai aucun regret, parce que c'était une expérience que j'étais rendu à faire, et c'était le rôle de le faire. Et que ce soit aujourd'hui que je revois ça et je dis « Ah, peut-être j'aurais pas dû faire ça », mais non, à cette époque-là, si c'était fait, c'est pour quelque chose. Alors j'ai « Non, je ne crois pas tout ce que j'ai fait, j'ai jamais eu aucun remords. On a fait tous des erreurs, puis grâce aux erreurs, on apprend. Sinon, je ne viendrais pas ici. Pourquoi je viendrais sur cette terre? » On est une conscience qui a simplement donné forme à un corps et on a une expérience à vivre. Alors tout ça fait en sorte que ça fait partie de cette pièce de théâtre-là, en fin de compte. Alors je ne veux pas essayer d'échanger parce que je n'ai pas la vérité. Personne n'a la vérité. Ils n'ont pas plus la vérité que nous. On veut toujours se mettre dans le camp des nous. On est toujours victime. Mais ça n'existe pas. C'est un rêve. C'est toute une illusion. Et tant mieux si moi, j'ai ces gens-là pour évoluer à ma façon, pour prendre conscience à ma façon. Alors, je dis merci. Tu dis que peut-être tu peux aider ces gens-là avec... Je peux les aider simplement en étant moi-même et en faisant ce que j'aime. Okay. Pour moi... chacun fait son expérience sur cette planète. T'sais.